Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Vulbizio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, eh bien, vous, j'espère que ça va bien. Moi, en tout cas, oui. Donc, aujourd'hui, ce sera une astuce qui, je pense, peut rapporter gros. Donc, pour ceux qui sont observateurs. Oh là 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 là, ça commence bien. Observateurs, excusez-moi. Donc, j'ai ici des potions d'incendie. Et c'est tout. Putain, qu'est-ce que je suis. Donc voilà. Donc bah attendez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah je vais mettre ouais, non, en quoi je pourrais mettre ça? En canon affiché. Guild. Voilà. Donc on va mettre ça. Donc voilà. Donc vous l'aurez sûrement marqué, on va crafter des marteaux M pouces. Donc pour en faire quoi? Bah, tout simplement pour les FM. Donc on va voir à combien nous revient le prix des ressources. Donc c'est pas du tout cher à craft. Hein. Ils sont à 700 000 de base à l'âge des VIM. Donc moi là j'ai des potions d'incendie qui traînaient. Bon qu'est-ce que j'en ai fait? Bah je les ai pris. Hein, voilà, on n'est pas complètement. Voilà. Quartz. Non, j'en ai pas sur ce compte-là. Bon, bah, c'est pas grave, on va tout acheter. Donc. Voilà. Je vais faire le petit calcul avec vous. Je vais couper le temps que je trouve un forgemage et tout. Et je vous reprendrai dès que tout ça sera fini pour faire les bénéfices. Donc vous n'êtes pas obligé de les FM. Bon moi c'est pour que ça rapporte plus. J'ai besoin de Kama. Donc on va sortir la petite calculette. Donc en plus c'est toutes les ressources au même endroit. Donc voilà. Donc on va acheter 4 pyrutes. Donc moi ici en l'occurrence 8. 200. Bon, on va crafter pour 1. Bon, voilà, ça tombe pile poil bien. Donc, 20, on va dire 28 000 fois 4. 28 000 fois 4 égale. Donc là, on est à 112 000. Donc, après, faut acheter 5 quartz. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois, on va dire 5, donc plus 25 000. Égal. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Bon, on va recommencer. Donc on était à 112 000. Mince. Bon, on va mettre 110 000. Parce que j'ai pas pris. Donc voilà. Plus 25 000 égale 135 000. Donc, après. Donc 7 manganésite ou je sais pas trop comment ça se dit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on retient 135 000. Donc on va faire 7 fois 6500, mince, un zéro de trop, égale 45 000. Donc plus 100 35 000 égale 180 000. Donc là déjà on est à 180 000. Donc après, donc tout ça on a déjà. Donc après il va nous rester plus que le bois, le topaz et le saphir. Bon le bois ça coûte pas cher et c'est plus le topaz et le saphir. Donc saphir. Oh non, en fait, ça va. Donc, plus 30 000 de saphir. Plus 180 000 qu'on avait déjà, que je sais pas comment je me suis débrouillé. J'ai effacé. Donc, là, voilà. Et le. Qu'est-ce qu'il y a? Et le topaz. Je crois que c'est le topaz qui coûte cher. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. En faut 4.
Oh la vache, j'ai chaud. J'étais prêt à l'acheter à 40 000 après. Donc plus 120 000. Attendez, oui, 120 000. Donc égal 300 000. Donc là, on est à 300 000 tout pile. Donc voilà. Mince, qu'est-ce que je fais là? Donc maintenant, là, je dévais les bûcherons. Donc j'en parle aussi, j'ai essayé de l'envoyer à Dofus Community QG, donc à Sapeux. Donc c'est vrai que je t'ai déjà passé une fois sur leur chaîne. Donc voilà, bah attendez, je reprends tout de suite. Donc me revoilà, excusez-moi. Donc, on en était où déjà? Donc, voilà, je sais qu'il fallait acheter les bois. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme bois? Il y a du. On va commencer par le bois de bambou. Bambou. C'est bambou ou bambou? Bambou. Donc c'est le bon. Donc normalement. Ouais, je vais acheter par 100. 500 pommes. Ouais, donc normalement c'est 3400. Hein, parce que regardez le prix par 100 et c'est même le bon prix. Donc c'est 3400. Ne vous fiez pas aux 10 000. Donc moi comme ça j'en aurai là pour la prochaine fois que j'en ferai. Donc ça fait 7 000 en plus. Plus 300 000. Plus 300 000 égale 307 000. Et donc après bambou sombre, si je me souviens bien. Oui. Donc bambou sombre. Donc voilà ce qui va coûter le plus cher. Donc normalement c'est 7 000, c'est 8 000, donc ça fait 16 000 à peu près. On va faire pour que ça tombe rond, c'est ouais, 14 000 en plus, c'est bon. Plus 307 000 égale. Ouais, donc ça fait 320 000 le craft. Voilà, cherchez pas. Donc voilà, bah on va aller chercher un forgeur. Tout simplement. Donc voilà. Moi je vais vous reprendre dès que j'en ai trouvé un. Allez, à tout de suite. Donc allez, à tout de suite. Eh bien salut, me revoilà. Donc j'ai trouvé un forgeur de marteau. Donc il va me faire ça pour 10 000 kamas. Donc voilà, pas cher. Donc ça ajoute 10 000 kamas, donc ça fait 330 000 kamas. Donc voilà. Tiens, on va lui demander s'il est forge mage au passage. Donc, oh bah, on est tombé sur un bon jet. Donc, faut pas se plaindre. Donc, voilà. Ok. Donc on va lui dire merci. Bye. Donc bah je vous préviens dès que j'ai trouvé un forge mage de marteau. Bon, me revoilà. Donc en attendant que le forge mage arrive, et bah on va tout simplement acheter les runes pour le M-Pouce. Donc il y a des runes vitalité et des runes critiques, donc on va commencer par ça. On va en acheter 10, ça va être suffisant, vous allez voir pourquoi. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en FM, je pense qu'ils savent. Donc c'est quoi le max de recettes associées? Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Marteau de la terre, M-Pouce. Voilà. Donc 150 de vitalité, 40 de sagesse. Oh oui, la vache. Donc. Et bah 4 à 5 de coups critiques. Donc là déjà on a plus 20 000. Mince, excusez-moi. Donc on était à 330 000, je crois. 330 000. Plus 20 000. Donc plus après les runes ravies, pavies plutôt. Donc même si je sais que ça va pas servir énormément, on va en acheter une vingtaine. Une petite trentaine.
60 viendra racheter s'il faut. Donc ça fait 60 000. Plus 60 000. Plus. Et après. Donc c'est des runes. Feu. Oui, c'est ça. Pain. Donc c'est ce qui va coûter le moins cher. On va en prendre 300, on est des fous. Donc 8 fois, bon, on va dire plus 25 000. 5 000. Plus on va prendre des runes sabon. Même si je sais que ça ne compte pas tellement, ça coûte peu cher. Peu cher. Ah bah excusez-moi, trompé sur les prix. Ouais, bon, c'est juste un peu pas sain. Ça vaudrait pas. Ah la vache, ça a bien augmenté. Bon, bah, on va en prendre quand même. On va en prendre une. On va en prendre une cinquantaine. Donc 8 fois 5, 40 000. Donc plus 40 000 égale 475 000. Bon bah ça va je trouve. 475 000. Donc pour arriver à un chiffre donc de 500 000 kama. Ah bah non, il y a le forgemage à payer. 20 000, 95 000. Bon non, ça devrait suffire. Bon bah moi je vais essayer de trouver un forgemage. À moins que celui que j'ai demandé. Ah voilà, il est déjà là. Donc. Bah, je vais demander, dès qu'il répond, bah, je reprends. Mince. Donc, me revoilà. Donc, eh ben, on va laisser le marteau. Donc, je pense que je vais vous passer le temps que ça FM. Donc, voilà. Allez, je reprends tout de suite pour voir le jet. Donc, me revoilà. Donc, là, je suis sur un bon forgemage. Je suis tombé sur un bon forgemage plutôt. Donc je vais juste devoir racheter des pavés. Donc on en a racheté pour 60 000. Donc je l'ai payé 15 000, donc plus 75 000. Non, 65 000. Non, 75 000. Donc on est à 550 000. Donc c'est passé environ bah les franchement les runes les minces, comment ça s'appelle, les oh la vache, j'avais pas vu qu'il manquait de la vitalité comme ça. Donc là. Donc bah là, je pense que tu vas faire passer les païens. Donc le balage, je lui demande si il pense que ça peut passer 60 en un tel. Bon. Bah là il peut passer. Stop.
Donc là, bah, je vais dire d'arrêter. Donc bah, c'est plutôt un marteau plutôt beau. Donc voilà. Donc je reprends dès qu'il a fini. Donc ça y est, bah, on a fini de FM. Bon, on va aller voir combien ça coûte à l'HDV. Donc ce qui est sûr, c'est que j'aurais fait du bénéf. Ça je le sais. Vu le jet du marteau. C'est un bon jet, c'est un jet pratiquement au max partout, donc c'est une très bonne astuce. Surtout, j'ai oublié de le préciser, pour faire les potions d'incendie, c'est faut donc je suppose qu'il y en a qui connaissent, faut faire les dragoff. Donc 40 en sagesse, donc c'est vrai qu'il est beau celui-là. Donc on va mettre un 1,6 million. Donc si vous faites les dragons, bah attendez. Sur mon serveur, bah, je vous conseille de faire les dragons. C'est ce que j'ai fait hein, en team de. Avec 3 personnages, j'ai dû mettre 1 heure à peu près pour pouvoir tout faire. Parce que ça m'a pris 14 trucs, 14 minces, 14 popos. Et il m'a fallu 1 heure. 1 heure, ouais, donc ça a fait 60 coquilles à 3, ça va hyper vite quand on est assez fort et tout. Donc voilà. Donc ça, ça fait, bah, avec la taxe, je vais mettre 1,6 million, ça fait 1 million de bénéf. Donc bah moi je dis bah voilà, je dis rien. Donc voilà, bah, c'est une petite astuce. Donc Kama, donc plutôt une bonne astuce Kama. Ce n'est pas une petite, une bonne. Et donc bah j'espère qu'elle vous aura plu. Et ça c'est des marteaux qui partent relativement vite, hein. Très très vite même je dirais. Donc et ben voilà. 4 critiques. Oui, donc c'est quasiment le même. Donc, eh bien, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Vulbizio. Allez, ciao les gens.